Ceci est une démonstration de l'application Nos écoles, nos données. L'application a été développée par notre équipe au sein du ministère de l'économie numérique en collaboration avec la société civile et le secteur privé. Il fait partie du projet pilote de données ouvertes. Il est construit en utilisant des jeux de données disponibles sur le nouveau portail web Alpha du gouvernement du Burkina Faso, accessible à l'adresse data.gov.bf. Les données proviennent du ministère de l'Éducation et concernent toutes les écoles primaires du pays. L'application est une application pilote développée pour montrer le potentiel de données ouvertes au Burkina Faso. Nous pensons que cette application pourrait être utilisée par différentes personnes de façon différente et voici quelques exemples. Si un parent veut savoir qui est la meilleure école dans sa région, il peut voir où les écoles sont, quelles sont les facilités qu'elles ont et combien d'élèves elles comptent. Cette seconde école, par exemple, n'a pas d'eau courante. Et cette troisième semble être la meilleure. Elle a de l'eau, des toilettes et a beaucoup de filles qui y sont scolarisées. Si une personne veut faire un investissement et construire des écoles, il peut voir sur la carte où il existe ou il n'existe pas d'école. Cette zone, par exemple, n'a pas beaucoup d'écoles. Peut-être que je peux y construire une école. Si le ministère de l'Éducation veut voir si sa politique est mise en œuvre, il peut voir rapidement des statistiques sur l'école. Il peut voir ici si les écoles obtiennent de bons résultats au fil du temps. Les femmes dans les écoles sont très importantes au Burkina Faso. Le ministère en charge de cette question peut voir où il y a beaucoup de filles dans les écoles et où il n'y en a pas beaucoup. Au niveau régional, il est comme ça. Vous pouvez voir ici le ministre. Le ministère peut aussi voir chaque école. Ici, nous regardons dans une école, il est inférieur à la moyenne. Ici, l'école de Ville-Palgo s'est améliorée. Cette application est une application pilote. La prochaine étape est d'obtenir des données nationales. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du site web. Nous pensons que cela montre le potentiel des données ouvertes, des avantages pour un grand nombre de personnes au Burkina Faso, des citoyens, aux investisseurs de différents partis du gouvernement. Merci.